Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve déjà, oui déjà pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur le défi Sans Ghost Challenge. Et vous l'aurez vu dans le machinima, on est retourné du point de vue des étudiantes. J'aime beaucoup en fait le fait de changer de point de vue à chaque machinima. Et en plus ça m'a donné une idée de vidéo à faire quand j'aurai fini ce Let's Play, ce serait juste énorme. Mais bon, on n'en est pas encore là, on est loin de l'avoir fini. Dans la dernière vidéo, on avait mis pas mal de gens dans notre sous-sol. Et bien sûr, comme je n'ai jamais de chance dans ce let's play, visiblement le dieu des morts est contre moi, je ne sais pas, mais j'ai beau avoir mis deux cheminées et plein de tapis sur une pièce, dans une pièce très étroite, ça ne prend pas feu, il n'y a rien qui brûle, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer de rajouter une troisième cheminée, j'espère que ça va prendre cette fois-ci. À chaque fois que je regarde des vidéos des gens, eux ils y arrivent en 2 secondes, et moi je n'y arrive pas, limite elles vont mourir de faim avant de mourir brûlées quoi. On se retrouve donc aujourd'hui dans notre maison qu'on a agrandie avec nos meubles qui sont encore massacrés, donc on va réparer tout ça. Nos plantes vaches ne poussent toujours pas. Ça me serait d'une grande aide en fait qu'elles poussent en fait. Donc on va voir si au cours de cet épisode elles poussent. Au niveau de nos prisonnières, bah, elles sont toujours là. Je sais pas ce qu'elles font mais elles sont là. Écoutez, je vais voir si je peux rajouter donc une troisième cheminée que je vais allumer. Allez, allume-moi ça et mourez s'il vous plaît. Là j'ai même mis un meuble en bois. La dernière fois, grosse nouveauté, on était devenue sorcière. Ce qui est bien quand on est sorcière, c'est qu'on peut apprendre un sort qui nous permet de mettre le feu. Bon là elle est à peu près bien honnêtement. On va peut-être lui faire travailler du coup sa magie. Après je sais plus quel sort c'est, enfin quel magie c'est en fait le sort calciné. Électrico. Alors magie indomptée, électrico. C'est magie indomptée du coup. Utilise de l'énergie électrique pour envoyer une décharge à quelque chose. Ok. Est-ce qu'on essaierait pas ça? Sort électrico. On va voir ce que ça fait. Je sais pas si ça peut les tuer ou si ça lui envoie juste une décharge comme ça peut arriver parfois. Par contre ce serait le comble que ça prenne feu juste quand je suis dans la salle. On est d'accord. On est... Quand je vous dis que j'ai pas de chance dans ce let's play, bordel, c'est pas possible. Gros coup de jus, il doit y avoir beaucoup d'électricité statique dans l'air, c'était une sacrée décharge. Mais non! Il s'est rien passé, d'accord. Si j'apprends calciné et que j'essaye de brûler quelqu'un, j'espère que c'est pas moi qui vais brûler. Oh! Bonjour les filles! Bonjour les filles, comment allez-vous? Cette merveille galactique constitue une excellente source de nourriture, de câlins et d'amitié pour la vie. Provoquez la jalousie de tout le quartier, mais n'oubliez pas de la nourrir. Eh bien forcément, forcément. Je pense que je vais les déplacer dans d'autres pièces de torture au final. On va les laisser dans cette pièce-là, et dès qu'elles auront faim, on enverra un Sims vers ces jolies petites plantes, et on essaiera de les tuer. Ok, bon, un souci de moins, c'est bon, elles ont poussé. On va continuer notre magie du coup, nous. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui m'a dit que je pouvais installer avec le debug des poules et des lapins, enfin, surtout des lapins en l'occurrence, pour m'éviter d'avoir acheté la souche, et comme ça éventuellement je pourrais avoir la mort avec le lapin. C'est tous les mêmes? Ben on va prendre lui parce qu'il est trop mignon. On va en prendre plusieurs même. Voilà, 3 lapins, et je sais pas ce qui va devenir d'eux en fait du coup. On va faire sortir... Ouais mais elles vont toutes mourir d'évanouissement, là, évanouissement dans 0 minutes. En fait elles peuvent pas s'évanouir parce que c'est trop petit en fait la pièce. Ok, on va faire sortir une de nos prisonnières donc, comme je disais. Et on va essayer de faire des interactions méchantes. Interaction, se moquer des oreilles de lapin. J'espère qu'elle va pas s'évanouir là, parce que franchement, j'ai pas envie de l'avoir dans mon jardin, quoi. Continue à être méchante. Interaction sociale, se moquer des oreilles de lapin. Effrayer le lapin sauvage. Ah, il s'en va, je crois. Non, non. Bon, ben, au revoir, hein. Effectivement, ils creusent leur terrier comme ça, tout simplement. Ok. Calciné.
Calciné, calciné, j'espère que je ne vais pas mourir. Les amis, j'espère que je ne vais pas décéder. Ce que je vais faire, c'est que je vais libérer un petit peu de la place, puisque la troisième cheminée, ben, elle a servi à rien. Autoriser l'accès à moi-même, on va aller à l'intérieur, et j'espère que je ne vais pas prendre feu, j'espère que je vais pas avoir un retour de bâton, parce que j'ai pas envie de mourir, et dans le doute, on va sauvegarder. Ça n'a pas marché. Mais c'est quoi cette sorcière? T'es trop nulle, Ruby, t'es trop nulle, allez! Ah, énergie magique forte. Les sorts jetés sont plus puissants, mais les chances de réussite sont légèrement réduites. Il y a aussi un fort risque de recevoir une malédiction, alors faites attention. Bah écoute, on va sortir. Non mais, sorcière à deux balles. Alors je sais que tu viens à peine de commencer à être une sorcière, mais... Ou alors, attendez, on va brûler par terre. Voilà, incendie. Non ! Non ! Nous, on va aller faire du vélo, voilà, je m'en fous de vous. Allez, je peux pas, parce qu'il y a du feu. Allez, il y en a une qui me brûle, là, il y en a même deux qui sont en feu. Mourez, s'il vous plaît. Regardez-moi tout cet argent, là, que je vais recevoir. Je sais pas combien ça fait, 600 x 5, mais c'est pas grave. Je calculerai ça après. Après, c'est pas dit qu'elle meurt toute aujourd'hui, malheureusement. Ok, il y en a trois qui brûlent, deux qui n'en ont rien à faire. Ça me fait trop... J'allais dire, ça me fume, mais je pense que c'est un mauvais jeu de mots, clairement. Bon, j'aurais utilisé ma magie, je suis désolée, mais bon, c'est pas interdit dans le let's play, hein. J'ai dit, on commence avec un humain, mais c'est pas obligé qu'on reste un humain. Il y en a une qui meurt. Il y en a deux qui meurent. Ok, il y en a trois qui sont mortes déjà. Pourquoi vous mourrez pas? C'est tellement drôle. Au pire, j'en ai tué trois par le feu. Je pense que c'est pas mal. Pour les autres, on va peut-être, au final, utiliser les plans de vache, au final. Voilà, donc là, il n'y a plus de feu. Il y a tout le monde. On va les laisser mourir tranquillement, écoutez. Pendant ce temps, nous, on va s'occuper de nos besoins. On va aller déjà faire un petit tour de vélo. Se promener sur vélo anti-stress. Je vais lui enlever son buff triste là parce que bah du coup voilà, vous m'avez dit que j'avais le droit. Je viens de gagner 198 simflous parce que ma victime les a gagnés parce qu'elle vient de faire un jour férié. Je vais les laisser. Vous me dites dans les commentaires si vous m'autorisez à les garder ou pas, parce que c'est un petit peu réaliste, mais en même temps ça fait pas partie des règles, mais en même temps c'est pas moi qui travaille, c'est ma victime. Donc vous me dites si vous m'autorisez à les garder, si vous refusez, eh bien la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je ferai monnaie moins 198 simflous pour les retirer de mon foyer. Voilà, dites-moi tout, écoutez, qu'est-ce que tu fais toi? Dites-moi du coup pour le jour férié, mais moi perso je trouve ça sympa. Alors ma belle, autorisez l'accès à Rachida, manger le gâteau. Bon après ça marche pas à tous les coups. Des fois, il meurt pas, hein. Donc on va voir. En plus, comme elle est affamée, c'est plutôt logique en fait qu'elle vienne se nourrir comme elle peut dans le sous-sol. Après, des fois, il meurt pas, hein. Donc bon. Non, là, elle est pas morte du coup. Bon, j'aurais essayé, écoutez, ça lui fera quand même une expérience. Allez, on va essayer de manger ce deuxième gâteau. Et quelqu'un qui meurt? Impossible de faire ça quand quelqu'un est en train de mourir, qui sait qui meurt? Ah bah c'est Rachida! Bah parfait! Une mort en plus! Ok, bon, on est pas mal. Est-ce que je peux parler à la faucheuse? Toujours pas. Il nous reste une victime. Pour l'instant, je vais la laisser là où elle est parce que moi... La priorité là c'est moi actuellement parce qu'il faut que je dorme. Ah oh, on est passé au printemps alors toutes mes plantes sont mortes. Ils sont tous en train de pleurer. D'ailleurs je peux pas... Oui je peux la traire je crois pour récupérer l'essence de vie de Rachida je crois. Ou alors pas du tout, je dis n'importe quoi. Allez tu vas te lever, tu vas me réparer tout ce bazar là une fois de plus. Donc tu iras utiliser, tu iras prendre des restes. Il faudra que tu cuisines à un moment donné quand tu auras 5 minutes parce que ben t'as plus beaucoup de nourriture dans le frigo quoi. Quand elle aura fait ça elle ira donc... faire une petite balade. Oh là, elle est partie à Perpète, là. Perpète les olivettes, hein. Bon, elle se sent beaucoup mieux après cette petite promenade. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller... déjà, on va les caresser parce que j'ai pas envie de mourir non plus. Voilà, on va d'abord jouer un petit peu avec elle avant de les traire. Une essence de vie. Ah, j'ai pas rêvé, donc. J'ai pas rêvé. Et ça sert à quoi, en fait? Boire l'essence de vie de Rachida. On va essayer, après. Parce que je vous avoue que ça m'intrigue fortement. On va boire l'essence de vie d'abord. J'espère que ça va pas me faire un truc mauvais. Ah non, on dirait pas. Hein. Essence de vie. Cela a probablement coûté la vie à notre Sims. Mais qu'est-ce que la vie est belle. J'adore. Bon, on va calciner encore. Hein, écoutez. Là, elle va mourir dans très peu de temps. Donc c'est parfait. Après sa mort, nous serons donc à 4441 simflous et c'est plutôt pas mal et je pense que après ça je vais un petit peu m'occuper de l'extérieur de la maison parce que l'intérieur bon c'est pas ouf mais ça va mais l'extérieur c'est vrai qu'il n'y a aucune personnalisation donc voilà elle meurt parfait. Voilà nous avons donc 600 simflous en plus et je me demande si je vais pouvoir parler à la faucheuse maintenant. Donc je disais l'interaction elle est toujours pas revenue, je suis débile, non c'est pas ce que je voulais dire, je suis dégoûtée parce que vous étiez tous hypés dans les commentaires, oh là là c'est quoi et tout,
Et j'étais comme vous au final, et au final je n'en sais rien du tout. Beaucoup de villageois d'Enfordonbagli ont besoin d'aide ces temps-ci. Bah tu m'étonnes, j'ai tué plein de gens d'Enfordonbagli. Donc ouais, je veux bien te croire. Bon, je vais mettre toutes les tombes dans mon inventaire pour les remonter là-haut en fait, tout simplement. Alors, nous avons donc 5 personnes en plus, c'est pas mal franchement. Nous sommes donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nous sommes à 16. Ok. Bon, on va cuisiner un petit truc là. Servir le dîner, spaghetti, parce que voilà, j'ai presque plus rien à manger moi. Et ensuite, bah voilà, j'aimerais bien qu'on s'occupe un petit peu de l'extérieur maintenant. Alors je sais pas si vous l'aurez constaté, je sais pas si le son sera bien réglé, mais j'ai mis le son du jeu en fait. Ce que je faisais avant, ce que j'ai arrêté de faire à cause de VoiceMeter. Voilà, j'ai eu plein de problèmes avec VoiceMeter, J'utilise ce logiciel quand j'utilisais ce logiciel en 2019, j'avais déjà des problèmes, je me suis dit bon, en 2021, il n'y aura plus de problèmes, tu parles, j'ai eu plein de problèmes. Donc j'ai abandonné l'idée, à la place j'ai mis des presets sur OBS, donc il se peut que ma qualité sonore de voix ait également été changée. Je suis en train de travailler sur tout ça, parce que VoiceMeter, faut pas se mentir, il y avait une excellente qualité de micro, mais à côté de ça, il y avait plein de bugs et ça m'a saoulé, donc voilà. Mais donc du coup, j'ai essayé d'intégrer le son du jeu à nouveau, j'espère qu'il sera pas trop fort. Bon, normalement j'ai fait quelques réglages, hein, j'ai pas fait ça à l'aveugle, voilà, j'espère que ça ira honnêtement. Je pense plutôt qu'il sera au contraire pas assez fort, mais je préfère y aller en douceur que de faire trop fort, parce que je vais quand même continuer à mettre ma musique. Moi j'aime bien mettre des musiques pendant mes gameplays, je trouve que c'est un petit peu... ça crée une ambiance assez particulière. On va voir un petit peu ce que je pourrais faire de cet extérieur qui, pour l'instant, on va pas se mentir, n'est pas très très attrayant. On va décaler tout ce petit bazar. Je vais supprimer... Non, je peux pas supprimer, ça va rapporter des sous. On va mettre dans l'inventaire les plantes qui ne poussent plus parce qu'on est au printemps. Au niveau des murs extérieurs, j'ai envie de mettre autre chose que ce bois, mais je ne saurais pas trop quoi mettre. Vie à la campagne, j'aime tellement ce pack que je pense que je vais utiliser beaucoup beaucoup de choses de ce pack. Alors l'accès au sous-sol, il est un peu nul, on est d'accord. J'ai envie en fait d'intégrer l'accès à cette zone par l'intérieur, parce que bon, sinon c'est pas trop caché, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me demande si je vais pas faire une mini pièce ou un délire comme ça. Ok, on est déjà pas trop mal, je trouve, au niveau de la devanture de la maison. Bon là c'est un carnage. Il y a plein de bêtises. Mais regardez, ça fait un truc bizarre là. Pourquoi ça fait ça? J'aimerais bien faire un accès au jardin ici en fait. Au niveau de l'arrière de la maison. Alors peut-être plutôt dans ce coin là au final. Je vais peut-être même faire une terrasse. Enfin une terrasse, oui, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je veux dire une terrasse vraiment accessible et utile. Pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant au final. Le récupérateur d'eau est le meilleur appareil de récupération d'eau actuel. Choix écologique pour votre foyer, extrait et récupère l'humidité et les précipitations dans l'air. Comme il ne nécessite pas de carburant, il est idéal pour un mode de vie durable et pour vous aider à réduire vos factures d'eau. Tout ce vent qui souffle là-haut dans le ciel, si seulement il y avait un moyen de l'atteindre et de récupérer son énergie. Attendez une seconde, il y en a un. Lorsque le vent fait tourner les hélices de cette éolienne, un générateur interne est activé, créant ainsi une source d'électricité hors réseau. Ça peut être bien pour nos factures, ça. On va venir caser un petit peu de décoration. Bon, je pense qu'on va en rester là pour le moment. Enfin, je vais replacer du coup ce que j'ai déplacé, donc, pour faire la maison. Mais on va en rester là pour le moment au niveau de la déco extérieure. Je vais juste réagencer à l'intérieur parce que ça ne ressemble plus à rien, clairement. Et on va en rester là pour le moment. Je ne vais rien toucher de plus. Ça fait assez vide, mais on a vraiment plus rien. Donc pour l'instant on va s'abstenir de toucher davantage. On va replacer nos petites parcelles. Hop, on va replacer ça aussi. Nos plants de vache, pour l'instant je vais les laisser à l'extérieur tant que j'aurai... Ok, j'ai pas compris pourquoi elle a rétréci, mais c'est pas grave, tant pis, parce que je peux pas la remettre dans tous les cas. Ok, super, merci. Le chaudron pour l'instant on va le laisser là où il était. Je trouve que quand même notre maison elle a glow up d'un coup quand même, elle est plutôt choukinette je trouve. En tout cas notre Ruby est très contente pour la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, un commentaire. Moi en attendant je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye.